du fer. Je peux tout lui vendre si je veux. Ouais, je peux vendre mes 13 millions, mais on va chuter à 10 millions. Comme ça. Allez. Ok. Ok. Et donc là, je peux faire mes mines de silicium. Après, je vais chercher plus rapidement. Le bois. Pas par alphabétique. En fibre. Bah, si, je vois pas le bois. Je peux pas vendre du bois. Je ferai un petit peu, hein. Le fer, SDA, ouais, j'ai plus 3 millions de fer, mais ça devrait le faire. Lol. Tout, tout, tout. Je regarde. Hein. En vrai, du plastique, je pourrais en vendre aussi. Du plastique, je pourrais en vendre. On va faire ça. Parce que le bois, je peux pas. Alors, dans l'épée, putain, un plastique. Plastique. Ouais. Je vais en vendre. Alors, j'ai 52 millions en stock. En vrai, si je vends 50 millions, ça devrait le faire. Ça fait 17 billions. Je rentre 17 billions. Bing. Allez, hop. Je vends quasiment tout mon stock de plastique. Mais de toute façon, je suis en surproduction. Donc. Et puis, je ne vais pas en consommer dans l'immédiat. Donc là, honnêtement, on est parti. Là, le. Alors, j'avais un souci de silicium. On va le résoudre tout de suite. Ça qui t'a fait, on va terminer de le. Voilà. Alors, il y avait ça. Ça, de l'acier. On va en acheter rapidement. Acier. Pas grave, hein. Même si je rentre pas dans mes frais, le fait d'avoir acheté du stock, ça va après relancer de la production, donc c'est pas très grave. Oui, en toc. Donc là, je vais beaucoup plus faire tourner les comment? Le marché, hein, le système de marché, je vais énormément le faire fonctionner. Lui, hein, lui là, 7 billions. Allez, tant pis. Hop, j'augmente de 5 niveaux, mais j'en ai besoin. Hop, allez, hop. Et puis je vais exporter ces deux mines de silicium aussi.
Là, il est monté à combien lui? Avec 5 niveaux de plus. 9,3K par seconde. On a amélioré le truc quoi. Mais je me demande s'il faudrait pas qu'on fasse un deuxième entrepôt de généraliste. Parce que là c'est un peu un enfer là. J'ai pas vu que j'avais ma centrale à charbon qui était pas au max ici. Allez hop, pour 1 billion. Bon, en électricité, j'ai une surproduction correcte. Donc là, je vais pas tomber en panne d'ici peu. Si je regarde, voilà, si je regarde mon électricité, je suis largement bon. Que j'ai d'autres. Mon silicium, je suis toujours pas bon. Oh, écoutez, fuck it. Hop. Parce que là, ça commence vraiment à être plus économique de upgrade plutôt que de créer des nouveaux bâtiments. On est bon. Juste en augmentant une mine de niveau 10 à niveau 20, c'est bon. Et c'est assez correct. Allez, hop, suivant. Suivant, suivant. Le charbon, je suis de nouveau en... Mais c'est illusoire. Ok, d'accord. Chaussures. Les chaussures. Chaussures, je peux augmenter x10. Comme ça résout le problème, je pense. Mais ça va créer d'autres problèmes. Ouais, voilà, c'est résolu. Ensuite, mon papier. Mon papier. Hop, allez, c'est parti. Et résultat, vu que j'ai augmenté le papier, ça y est, c'est le bois qui galère. Donc, le plus proche de la papeterie, c'est celui-là. On va dire qu'on va... Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. J'ai plus de pognon. Qu'est-ce que je peux vendre? Qu'est-ce que je peux vendre? C'est déjà le... Après, comme je disais, du bois.
Après, je peux le vendre, hein. Enfin, je peux le... Parce que là, pour le moment, je fais que des réponses d'offres. Mais ah, si, c'est bon, il a le bois. Hop. Bah, c'est bon, je peux répondre à ça. Ouais, pour 8K, allez, hop, je réponds à son offre. Des voitures. Va falloir que j'arrête d'en exporter. Sauf que de toute façon, j'en produis pas. Pourquoi? Parce qu'il manque de l'acier. Que j'importe de l'acier. Est-ce que le marché de l'acier... Alors attendez. Parce que là, acier, je suis à 449. Si j'achète sur le marché normal. 449. Est-ce que j'ai une vente qui est plus avantageuse? J'ai pas de demande. Donc il va falloir que j'achète sur le marché. Sur le marché classique. J'ai acheté des planches au lieu d'acheter de l'acier. Ah, l'acier c'est bon, c'est les moteurs qui galèrent. Parce que les moteurs, j'en exporte comme un débile. En vrai, les moteurs, je devrais pas exporter. Et... C'est juste pour du proper goal. C'est moins bête, ça. Alors, revenons au bois. Allez, hop. On va dire ça comme ça. Est-ce que ça résout mon problème? Ça le résout beaucoup, mais pas encore suffisamment. Pas loin, hein. Je passe niveau 20, lui, on est bon, hein. Mais il me faut quelque chose. Et justement, du bois. Du bois, du bois, du bois. Non, j'en ai plus. Ils en vendent plus. Hein. Ils en vendent plus. Donc moi j'ai envie de faire une offre. Je vends du bois. J'en vends 5 millions. Ouais, mais c'est pas rentable. En vrai, c'est tellement pas rentable.
Bon, j'ajoute l'échange même s'il est hors de prix. Je parce que de toute façon personne apparemment n'offre ni vend du bois sur le marché. Donc je prends le marché. Et on verra bien si ça part. Je suis tout juste à l'équilibre. C'est bien ça. Ensuite. Pétrole brut, c'est tendu, mais ça a l'air de vouloir se faire quand même. L'acier, ça va pas du tout. L'acier, faudrait que je fasse encore plus d'acierie, mais ça veut dire que ça va me demander du charbon en plus. Ça va me demander. Ouf, c'est compliqué, chef. Et après, il y a les moteurs, mais les moteurs, ouais, c'est parce que. Dès que je produis, voilà quoi. Donc, il va me falloir plus d'acierie. Et augmenter mes moteurs pour pouvoir résoudre 2-3 soucis. Mais je dirais que pour le moment, l'affaire se tient. C'est très tendu. Je suis en flux tendu. Mais ça se tient. Ah, alors attendez, je suis pas en marché automatique. Bon. Il y a ça. Donc mon bois, hop. Je suis bon sur le bois. Pas encore totalement, hein. Pas encore totalement. Après, je peux partir sur autre chose. Je peux partir pour Oh! J'avais pas vu ça. Il y a des trucs qui peuvent valoir le coup, hein, mais pour plus tard. Après, là, j'ai du fibre, mais ça demande du verre, et le verre, je suis en flux tendu. Alors. Toujours pas. Donc, on a quoi d'autre? On a. Mais je réfléchis à un truc là. Lui là. Non, il est en mode infini. Attendez, pétrole brut. Ah mais de toute façon j'ai pas assez de. Hop, allez.
Ah, mais ok, d'accord. Je suis limité en ça ou... Ah, d'accord, ok, donc ça c'est réglé. J'y vais au culot, hein. J'y vais au culot. Là c'est pareil, hein. Je peux commencer à me dire que les puits de pétrole, je devrais les monter niveau 20, hein, progressivement. Bon, on va tenter un truc. On va tenter un truc. Alors ça ce que je vais faire, c'est assez dangereux. Mais qu'est-ce qui consomme du pétrole brut à part mes... Il y a rien qui consomme du pétrole brut à part les raffineries. Non, j'ai encore une demande. C'est quoi la demande de pétrole brut que j'ai là? J'ai un puits de pétrole niveau 1 là. Eh, oh. Hop, au boulot. Raffinerie activée, s'applique à tous. Allez. Ah oui, il y avait lui là qui était pas à fond pour la production de planches. Mais ça c'était pas. Ça c'était pas. Voilà, c'était pas un truc essentiel.
Ouais, je suis emmerdé pour le bois. Oui, parce que comme un con, vu que... Attendez, hop. Voilà, si je fais ça. Qu'est-ce que ça me dit au niveau du bois? Ben voilà, ça repart à la hausse. Ok, et au niveau des planches, ça change pas grand-chose. J'ai juste enlevé une création de planches parce que voilà, il y avait bon, il y avait un peu trop de. J'avais un peu trop de production. Bon, ok. Donc j'ai toujours un souci de pétrole brut. Alors attendez, je vérifie juste les autres avant, mais les semi-conducteurs c'est en hausse. Quoique le pétrole brut ça a l'air d'être en semi-hausse aussi, hein, c'est pas encore... Et ouais, ça. Bon, on va se mettre à côté des... Attendez, la raffinerie. Non, raffinerie. Ouais, je me dis, cette raffinerie-là, on va voir pour la. Commencer par celle-là. L'augmenter. Et je pense qu'on va commencer à augmenter nos raffineries là, parce que c'est. Donc toutes les raffineries, je vais les monter niveau 20. Quitte même à le faire hors caméra. Je... Voilà, oh, je le ferai hors caméra. C'est pas trop un souci, c'est pas très très intéressant. C'est juste qu'il va falloir attendre le pognon. Attendre, voilà. C'est pour le moment, voilà, je suis un petit peu... Je suis un peu dans la sauce. Je peux arrêter de vendre du propergol pour vendre du... Ouais, mais le verre, c'est pas terrible. Le verre, j'en ai besoin. Après, je peux voir pour augmenter ma quantité de vente automatique. C'est une éventualité. Il faut des moteurs et les moteurs. Ben les moteurs, c'est juste que ça galère. Faudrait que je fasse plus de moteurs. Mais qui dit plus de moteurs dit plus d'acier. Donc, de toute façon, une aciérie, il va m'en falloir une autre. Ou alors, faut que j'améliore ces trois aciéries là. Ou alors, faut que je les améliore. Lui, il peine sa mère, lui. Quoique non, parce qu'on s'en fout de ça. Parce que ça, c'est bon, le pétrole brut, je suis... Qu'est-ce que je fais? Me suis planté. Me suis planté, me suis planté. Ça que je voulais diminuer.
Parce que le pétrole, pétrole raffiné, c'est pas, voilà, c'est pas un souci. Là, c'est parce que j'ai fait le con. Quoique, c'est, ouais, parce que j'en consomme avec mes exports, mais ça, faut vraiment que je trouve une solution à ça. Attends, de cet entrepôt-là, la centrale électrique à charbon, bah oui, je sais, je sais. Raffine pétrole. Il importe pas du plastique, lui? Depuis ici. Si, il importe du plastique. Non, apparemment non. Eh non. Avec lui là, avec ce. Attendez, c'est un entrepôt niveau 15, lui. Non, c'est pas celui-là. Il y a un autre entrepôt niveau 15. Que je vois pas. Parce que lui, c'est le fer, c'est ok. Il y a lui, c'est les planches, ok. Là, entrepôt niveau 15, lui. Avec lui, c'est du charbon, mais il y a aussi du plastique là. Est-ce que je peux ouvrir deux routes? Oui, je peux ouvrir deux routes. Et donc la deuxième route, on est d'accord, hein, oui, c'est avec lui. Donc c'est pas du charbon, c'est du plastique que je vais apporter. Pourquoi lui il a du charbon? Ouais, il a eu du charbon, bah c'était temporaire, non? Oui, c'est normal, j'ai cliqué ailleurs. Et lui, là, hop, normalement, donc le dernier. Voilà, du plastique. Donc lui, voilà, lui, il importe depuis. Il importe du charbon, mais il importe aussi de. Voilà, c'est ça, il y a les raffineries aussi qui sont raccordées. D'ailleurs, je crois pas toutes les raffineries, résultat. Est-ce qu'il y a une autre raffinerie ici dans le coin? Non, pas vraiment. Je suis bête, j'ai trois raffineries ici, hein. Une, deux, trois, ouais, c'est ça. Ok. Donc il y a aussi le plastique qui est importé ici, parce que sinon, voilà, mon atelier de chaussures. Ouais, il va apporter du plastique directement de là-bas, mais qu'est-ce qu'il me faut? De l'acier. Ouais. Ouais. Ouais, pour 72 millions, tant pis, ce sera pas honoré. Cette commande-là ne pourra pas être honorée. Bah, je vais même la passer.
Même la passée, tant pis, elle sera pas honorée. Ce sera pas possible. Ça ne sera juste pas possible. Non, mais c'est le pétrole brut hein, qu'il faut améliorer, c'est juste ça. Attendez, je vérifie juste. Ok, on est ok. On est ok. On est ok. J'avais fait une commande de. De pétrole là, hein. Je crois qu'on va l'annuler. Regardez sur les offres, qui sont pour le marché. Ah mais j'ai pas le mon stock à moi. Faudrait que j'aie mon stock à moi avant. Que je vois qu'est-ce que je peux encore vendre. Parce qu'en vrai, par exemple, les planches, bon, il me dit sortie dans 8 heures. Mais en vrai, j'ai pas de demande. Enfin, je suis en augmentation constante. Et puis je peux même réouvrir une l'atelier de. L'atelier si je veux. Donc en vrai, je pourrais vendre des planches, par exemple. Le gaz naturel, c'est pareil, je suis en augmentation et j'ai 26 millions. On va voir pour du gaz naturel. Si je peux vendre du gaz naturel. Je préférerais pas, parce que je produis de l'énergie avec le gaz naturel. Mais pendant 20 millions, ouais, pour 60 euros unités, bon. Bon, ça fait 1 billion, allez, hop, on va dire oui. Et on va donc améliorer ça au niveau max. Et on va voir si on peut pas. Celui-là par exemple, ouais, l'améliorer au max. Lui, qu'est-ce qu'il demande? Des voitures. On va essayer. On va essayer d'honorer cette, cette demande. Et dans ce cas, il faut que j'arrête de produire ça. Lui, il demande des. Non, il demande pas de moteur, lui. C'est bon, c'est en augmentation. Alors, mon pétrole brut. C'est stable, hein. Ouais, ça c'est stable, c'est moyennement stable, on va dire.
Ah, ça réaugmente légèrement. Je suis passé de 56 à 58 secondes. Ouais, si. J'en importe plus que j'en perds quand même. Donc ça y est, le pétrole brut, ça commence à être à l'équilibre. Mais faut pas que je fasse une nouvelle raffinerie, quoi. Faut pas que j'ai besoin de... Faut pas que je nécessite une nouvelle raffinerie d'ici peu, parce que sinon c'est un enfer. D'accord, il va chercher du bois là-bas, lui. Pourquoi pas, si tu veux, mais bon, t'as plus proche, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, non, mais les frérots, je vais vous expliquer un truc. Va falloir que vous fassiez ça longtemps, quoi. Pareil, un résultat, je suis désolé, mais il va falloir que tu t'approvisionnes ailleurs, mec. Le résultat, il peut pas. Mais parce que lui... De façon à ce que lui produise. Pour lui. Si je te demande d'enlever cette route pour pouvoir alimenter lui là. Je peux vraiment pas créer mes propres routes. Hein. Le jeu choisit ses propres routes. Et je peux pas lui dire ouais la papeterie là tu. Va chercher là quoi, enfin je sais pas, je peux pas lui dire va chercher spécifiquement quelque part quoi. Ça c'est un peu bête. Non, bah résultat, je suis obligé de le laisser vers l'infini. Et puis il va aller s'approvisionner. Malheureusement, il s'approvisionne que là-bas, quoi. C'est ça qui est con. Parce que là, voilà, il va. Ah, quoi que non, il va s'approvisionner. Ah, il a trouvé un approvisionnement ici. Bon, ok, admettons. Du coup. Je peux remettre l'approvisionnement ici. L'approvisionnement ici. Ouais, j'ai appuyé sur deux par erreur. Oui, c'est bien ça.
Quoi? Oh, de l'acier. Hop, allez, salut. L'acier est un problème. L'acier est vraiment un problème. Bon, le pétrole brut, c'est bon, hein. Visiblement, mon indépendance est en train de réaugmenter en termes de pétrole. Je suis passé de tout à l'heure 59 secondes à 1 minute 10. Donc c'est bon, je suis de nouveau légèrement en réhausse en fait. En fait, faut pas vraiment se fier à... Enfin, la sortie, en fait, faut vraiment regarder le temps, s'il augmente ou s'il baisse. Parce qu'en vrai, c'est théorique. Mais entre la théorie et le... En fait, ici, là, les pertes ici, c'est les pertes théoriques, en fonction de notre consommation et tout. Mais en vrai, on a quand même des productions qui sont plus élevées que ça, quoi. Je sais pas comment on calcule le jeu vraiment, mais visiblement... Tac-tac-tac, ici, un peu pas plus. Oh. Ah oui, alors attendez parce que ça. Aïe, tout de suite ça serait effondre. Ah. Là, pour le coup, le charbon, ouais, ça dépend en fait. Le charbon, j'ai pas une hausse constante. Améliorer une mine de charbon, à mon avis, ça me coûte. Ça me. Hop. Celle-ci, par exemple. Parce que... Oh! Allez! Marc ne répond pas en haut alors que les trucs bougent. J'ai l'impression que j'ai un peu trop d'échanges. Bien que j'ai un peu trop d'échanges à l'écran. Excusez-moi pour la coupure brutale. J'ai eu un souci technique. Donc j'ai tout relancé. J'ai redémarré mon PC. J'ai relancé XSplit. J'ai relancé le jeu. Enfin voilà. Donc vous avez perdu. Allez, je dirais 3 minutes de gameplay. Il s'est pas passé grand-chose. Hein. Mon jeu a juste planté.
Justement, vu que le jeu a planté, il me semble qu'à mon avis, j'ai trop d'échanges. Enfin, j'ai trop de ces bulles là qui se baladent. Donc, on va réduire ce nombre de bulles. On va le réduire tout simplement avec l'option, voilà, ressource movement. Voilà, on va, hop. Voilà, on va mettre on highlight comme ça. C'est plus activé, mais par contre, quand je vais sélectionner, par exemple, l'entrepôt qui est ici. Voilà, là on va pouvoir voir les échanges encore, ouais, voilà, on va juste, attendez, peut-être pas celui-là, il y a d'autres options hein, que on highlight, line only. Si je choisis line only, allez, je prends le. Ah oui, d'accord, oui, non, oui, ça affiche vraiment que les lignes. Ok, d'accord, oui, non, on va quand même mettre les petites bubules, hein, on va. On va quand même mettre les petites bubules. Voilà. Comme ça, voilà, on a là, et puis on voit quand même les petites bubules. Voilà, se balader. Mais à mon avis, le jeu commence à perdre en stabilité parce qu'il y a trop de petits sprites à l'écran. Donc voilà, on va réduire ça. Désolé pour le tracteur qui passe. Attendez, je fais juste un truc sur mon téléphone. On va de toute façon laisser les ressources augmenter, le prix un petit peu, tout ça, et on va réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Hop, attendez, parce qu'on a entre deux, j'ai lancé un truc sur mon téléphone. Je vois que j'ai un truc là. Attendez, hop. De l'acier. Mais ça, voilà, pareil. Hein. L'acier. Pas pouvoir faire de miracle. Hein. Pas vraiment pouvoir faire de miracle sur l'acier. Hein. À moins de couper les prods, on ne pourra pas faire grand-chose. On peut le faire après, hein. On fait hop, ça, hop, ça, et ça. L'automobile aussi. Voilà, puis là, bah, on va y arriver, mais en attendant, bah, on a tous nos exports qui sont au point mort quoi. Pour combien en plus 79 millions? Ouais, c'est pas. En plus, c'est même pas. Enfin, je suis même pas sûr que ce soit rentable de couper la prod de résultat. Hop, juste un instant. Je termine avec ça. Hop. Et bon, on est relancé. Alors. Parce que là, j'ai 100 millions. Après, niveau ressources. Oui, bah là, ça réaugmente évidemment. J'ai coupé toutes les demandes. Donc, et encore, j'ai encore un échange. Qu'est-ce que c'est que l'échange que j'ai non, pas là. Acier. Ah, il y a la fabrique d'armes aussi. Bon, okay, hop. Allez, voilà. Je coupe la. Je coupe ça. J'ai pas les trois aciéries qui exportent. Une aciérie, deux aciéries. Effectivement, la troisième aciérie, elle est pas liée. Hop, on va la lier rapidement.
Ok, j'ai une deuxième demande. Ah, des propergoles. Tiens, ça faisait longtemps le propergol. Hop, on va réactiver. Quitte à faire, on va même augmenter un petit peu. Et tac, 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 activer. C'est à la limite, voilà, on va pouvoir augmenter rapidement. Ici, département d'acier. Est-ce que je laisserai pas un petit peu l'acier réaugmenter? Propergol, je vais arrêter de l'envoyer. Des batteries, il me demande des batteries. Ah oui, c'est les batteries là. Oui, hop. Ça on peut en reproduire. Ça, c'est pas un souci, ça. Mode, écran. Après, il y a les bagnoles et les robots, quoi. Ouais. C'est ouais, c'est pour GGN. On va attendre un petit peu, voir un petit peu où ça nous mène. Mais clairement, voilà, c'est un enfer. Tiens non. On a de nouveau des soucis de charbon. Moi, on va augmenter cette mine-là niveau 20, hein, parce que c'est la plus proche après de ce qui importe. Et je réfléchissais, alors avant qu'on ait notre souci de coupure, je réfléchissais à éventuellement une autre. L'aluminium, par exemple. Même s'il me dit, ouais, c'est pas terrible. On va éviter de les ressources qui sont théoriquement à perte. J'ai une nouvelle commande. Et ça demande des voitures. Ce qui signifie. Est-ce que ça demande des moteurs, ça? Non mais ça demande de l'acier, c'est ça qui saoule. Ah, c'est pour combien ça demande ça? Ouais, ça sort 59 millions quand même. Ok, j'ai compris. Allez, hop, on coupe ça, on coupe ça.